Étoile d'or. Et Bazooka. Et Bazooka. Quel piano. Quel piano. Quel piano. Mon Dieu. Nathalie m'a copé. Amanda. Mabé. Amanda. Mabé. Amanda. Amanda. Se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djongangana Taba. Cadre qui toko pour Napolia Pekomela avec un pacte toujours. Oyo Abongi Selibino. Ba spécialité à Kitoko. Weba que Kobanda Mokolo ya mardi. Jeudi, chez Djongangana Taba. Ba Fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité! Ezalinde Ntabande Tabae! Olien tabaya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling che djonga nganda taba awa musale salama kitoko tunanga inini chaque weekend babendi yango weekend life c'est à dire ba chanteur oyo babanda ko beta beta ba concert awa pona ko sepeli sabato lokola mokolo ya vendredi tozalina suzuki luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepeli sabato na bakunga ya deux fois té oza koyoka musique oza ko lien taba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN alligator bakisela kaye calibre 12 yende a se pelisaka batu awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende a karisaka ba chant pe aza ko se pelisaka batu na ba Zembo ya kitoko na ndenge ya defoté. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kase Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Tope Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Monsieur le député, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Royal Crown TV? Écoutez, je m'appelle Zachary Bababassoué, je suis né à Kinshasa le 15 septembre 1964. Je suis fils de soldat. Mon père était un instructeur commando qui est mort en mission et au front. C'est-à-dire que ma mère, jusqu'à aujourd'hui, continue à attendre qu'on lui dise que son mari est officiellement mort. J'ai une licence, c'est-à-dire Bac plus. Bac plus 5 en histoire, j'ai aussi Bac plus 5 en droit, droit privé et judiciaire. J'ai, je suis journaliste professionnel depuis très très longtemps. J'ai travaillé pour la télévision nationale congolaise, j'ai travaillé pour Télé Bruxelles en Belgique. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une chaîne de télévision qui m'appartient. Et depuis 2011, il y a un groupe de Congolais qui m'ont porté à l'Assemblée nationale. Donc, je suis donc député élu de la ville de Kinshasa. Au sein de l'Assemblée nationale, je suis rapporteur d'un groupe parlementaire, d'un des groupes parlementaires les plus influents, qui s'appelle Terre d'Avenir, composé essentiellement de gens très très proches du président de la République. Monsieur l'honorable, qu'est-ce qui vous emmène en Côte d'Ivoire? D'abord, moi-même, j'aime voyager beaucoup. Je suis venu ici en Côte d'Ivoire il y a très très longtemps, en 1994. Pour chercher un certain François Louga qui est venu pour jouer à Kinshasa dans un grand festival qui s'appelait Ngomo Africa. Je n'avais pas beaucoup traîné et
C'était quoi, vraiment genre visite éclair, 5-6 jours. Donc, je n'ai pas eu le temps de bien savourer Abidjan. Mais Abidjan était chanté par Tabouley. Abidjan, la métropole que tu ressembles à Montréal, avec des différents quartiers d'Abidjan. Donc par les chansons de Tabouley déjà, les années 60, on avait... J'étais tout petit, mais par les parents, on savait écouter et apprendre ce qu'était Abidjan. Et en Europe, vu le milieu dans lequel j'évoluais, les musiciens, j'ai rencontré des Ivoiriens superbes, notamment des artistes tels que Mewey, avec lesquels on est très proche, et puis les Magic System, quand ils sont venus aussi en Europe pour la première fois, vers les années 2000-2001, je pense, si je ne me trompe pas de l'année, mais en tout cas, on a sympathisé, on est restés ensemble, et ce qui m'a vraiment fait venir encore, faire venir régulièrement ici, c'est la mort de Papa Wemba. Et depuis la mort de Papa Wemba, j'ai découvert la Côte d'Ivoire, et depuis je reviens pour aller rester, je passe des semaines à Assini, ou au Grand Bassam. Quel héritage Papa Wemba a-t-il légué à la musique congolaise en particulier et à la musique africaine en général? Papa Wemba a commencé la musique dans ce que nous appelons la troisième génération de la musique, parce qu'au Congo on classifie comme cela des générations, avec la cinquième qui est aujourd'hui patronnée par Fally. C'est-à-dire ce sont des jeunes, chaque fois on a constaté qu'il y avait tous les 25-30 ans au Congo, une nouvelle génération d'artistes. La première génération, c'est le Wendo, c'est-à-dire la musique des bars, des gens avec une guitare qui venaient d'apprendre chez les colons ou parce qu'ils travaillaient chez un administrateur blanc, belge ou français ou anglais. Eh bien, ils ont appris à gratter aux guitares et le soir, ils se retrouvaient dans des bars de Kinshasa pour chanter dans des buvettes. C'est la génération de Wendo, c'était une sorte de griot. Dans cette génération, il y a les Wando, les tout premiers que nous avons connus, les guitaristes. La deuxième génération, c'est la génération de Franco Tabouley. Ce sont des gens qui commencent un peu à faire asseoir l'instrumentation derrière. Il n'y avait pas encore de batterie. La batterie a été découverte plus tard, lors du festival des Guitares Nègres. Tabouley Rochereau, qui représentait la RDC, a découvert le style Soumdjoum au Sénégal. Et c'est lui qui a introduit la batterie dans la musique congolaise. La chanson que j'ai évoquée tout à l'heure, Abidjan la métropole, si vous l'écoutez, vous le sentez qu'il n'y a pas de batterie. C'est après le retour du Festival des Arts Nègres qu'il a ramené la batterie, Soumdjoum, le style Soumdjoum, dans la musique congolaise. Et il y a une troisième génération, donc quand vous constatez vers les années 30, on a les autres. Vers les années 60, le Tabouley Rochereau, 57-58, Grand Calais Rochereau se réveille, Franco. Et puis, 25 ans après, il y a une génération vers les années 70, le Zaïko, qui est créé en 68. De jeunes collégiens, Papa Wemba, Manuaku, Nyoka Longo, qui sont des collégiens, des étudiants, des élèves, montent un groupe Zaïko Langalanga, qui sort un certain 24 décembre 1968 à Kinshasa. 25 ans après, 25-30 ans, on a donc la génération de Wenge, avec Jimmy Piana, Wirasson, Ale Makaba, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, qui montent ce que nous avons appelé la génération Wenge. Et puis plus tard, eh bien, le jeune Fally amène ce que nous appelons la cinquième génération et est suivi de très près, bien confirmé aujourd'hui, par des jeunes comme Héritier Watanabe, ainsi de suite. Alors Papa Wemba, en arrivant, il a changé de style parce que cette fameuse troisième génération, il n'était pas à sa place dans Zaïko. Et ils sont allés dans Yoka Lokole et puis on l'a chassé, il est allé monter Viva la Musica avec l'aide de quelques sapeurs. Il a changé le style vestimentaire et ainsi de suite. Il est venu avec un langage de la cité. Il était essentiellement soutenu par des jeunes désœuvrés, des jeunes de la rue. C'est eux qui l'ont soutenu. Il vivait dans un quartier populaire où, parce qu'on ne dort jamais, c'est un garçon de Matongé. Matongé, c'est un quartier qui échauffe. Je peux comparer Matongé à Yopougon, je peux compter à Yopougon, on ne dort jamais à Matongé. Donc Papa Wemba, s'il était ivoirien, ce serait un jeune de Yopougon. Et voilà les jeunes de Yopougon qui l'ont accompagné. À cela a été assimilé tous ces jeunes gens des camps militaires, dont je fais partie en tant que fils de militaire. Aujourd'hui, en fait, pratiquement aujourd'hui, toute la génération qui dirige au pays est une génération de Papa Wemba. Voilà. Il a apporté le courage, la détermination, il a encouragé les jeunes à être entreprenants,
à voyager, à découvrir, à se faire confiance. Et voilà. Papa Wemba a eu... c'est un artiste qui est aussi né sous un bon jour, parce qu'il est, il avait la chance. Il était... bien sûr, il avait beaucoup de talent, mais il a eu beaucoup de chance aussi. Beaucoup de chance d'être apprécié par... par la population africaine, par la jeunesse africaine, et par la qualité de sa musique, par sa voix. C'était un bon chanteur, il avait une belle voix, qui a fait en sorte qu'il puisse être adopté dans tous les pays. Ici en Côte d'Ivoire, il était chez lui. Et puis c'était un homme tellement simple, tellement humble, qu'on ne pouvait même pas savoir qu'il avait la renommée qu'il avait. Il avait rencontré, il a joué sur toutes les scènes du monde, hein. Il a été sur toutes... sur tous les continents, sur toutes les planètes, sur tous les, oui, tous les continents. Il a été en Europe, il a été en Antarctique, il a été partout, en Océanie, il a joué partout. Il a apporté l'art au Japon, aux États-Unis, et la musique de chez lui a été là. Il a essayé de promouvoir cela, et la Côte d'Ivoire lui a donné beaucoup de chance en lui remettant les clés du citoyen de la ville d'Abidjan. Je crois que c'était... c'est énorme, c'était quand même quelqu'un qui a travaillé pour l'Afrique, pour sensibiliser l'Afrique. Et avec quel artiste n'a-t-il pas fait de featuring? Je crois que Papa Wemba, ça reste un monument, un pilier de la jeunesse et de la musique. Est-il vrai que vous préconisez un voyage sur le Congo, sur le Togo? Et dans quel cas, dans quel but? Oui, je suis en train d'aller à Lomé pour participer à un événement. Justement, là aussi, il y a une autre artiste, Abeti Masekini. Abeti Masekini a fait la musique actuelle. Elle était en avance de 30 ans. Personne ne la comprenait. De nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamu. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au +33 605 384 625 +243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HP est doté d'un personnel qualifié prêt à vous servir. Chez nous, les clients sont rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Elle était en avance. Déjà en 86, elle a fait le Zénith de Paris. Et elle était en avance en termes d'accoutrement, d'habillement, des danseuses. Elle était en avance par rapport à son âge. Elle est décédée très très jeune. Et mariée à un Togolais, le Togo lui rend hommage parce qu'elle était très populaire. Elle ressemblait à une Chinoise. Elle était très populaire en Chine, continue à l'être d'ailleurs, et très populaire au Togo, si bien que le gouvernement togolais voudrait maintenant, 24 ans après sa mort, rendre hommage à l'ensemble de son œuvre. Il y a un film documentaire qui sera projeté, et puis des soirées, toute une soirée de gala qui est prévue, à laquelle je suis convié par son mari Gérard Cuisson. Donc je suis donc en train d'aller là-bas pour participer à cette grande soirée qui aura lieu le 28 avril à Lomé. Quel héritage est-ce que l'artiste Abeti Masekini a-t-elle laissé à la musique africaine? Abeti Masekini a laissé un héritage d'artiste prévoyante, créatrice. Elle était créatrice et créative à la fois. Elle, dans la tenue, dans l'accoutrement, dans la façon de chanter, elle chantait un peu à l'Edith Piaf, c'est-à-dire avec une voix, on ne comprenait peut-être pas les notes, mais en tout cas, elle était en avant. C'est elle qui a recruté Mbili Abel comme choriste et Tchalamona comme danseuse. Elle avait l'œil de voir les gens, les artistes qui pourront progresser. Lokwa Kanza était choriste d'Abeti Masekini. Et aujourd'hui, nous voyons à travers beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui tiennent aujourd'hui ce que nous appelons les requins de Paris, qui accompagnent tous les groupes aujourd'hui pratiquement en termes d'instrumentation, en termes d'accompagnement en studio. C'est une femme extraordinaire. Nous savons que vous êtes historien et juriste de formation.
Mais pourquoi cet attachement au milieu culturel et principalement au milieu musical? Bon, écoutez, moi je dis que je suis venu à la culture un peu comme on entre en religion, c'est-à-dire par vocation. Je suis à la base un jeune qui aimait beaucoup lire, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit quand j'étais jeune, maintenant que j'ai plus le temps, compte tenu de mes obligations. J'ai écrit beaucoup de poèmes, qui ont été beaucoup de poèmes mais chez les petites amies, j'ai beaucoup écrit. La culture, c'est le soubassement de tout. Et l'avenir de l'Afrique sera culturel ou ne sera pas. Regardez comment la Côte d'Ivoire, c'est un exemple qui me revient de temps en temps, a été unie à la RDC par un mariage. Il y a la fille de notre ancien président Mobutu qui a été épousée par un Ivoirien. Mais ça n'a pas amené le peuple ivoirien et le peuple congolais d'être ensemble. Mais c'est Papa Wemba, par sa mort à Abidjan, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est encore plus proche du Congo que ne le sont d'autres pays. Parce que Papa Wemba est mort simplement à Abidjan, simplement en Côte d'Ivoire. Donc la culture, c'est quelque chose qui nous reste. Et au-delà de nos frontières, de nos convictions religieuses, philosophiques, de nos convictions politiques, de nos doctrines, la culture est la seule chose qui nous unit. Parce que elle sous-tend, elle jonge pratiquement la vie du continent africain. Donc nous devons revenir à la source par rapport à nos ancêtres, par rapport à nos religions, par rapport à nos croyances, à notre gastronomie, et essayer de le valoriser. Actuellement, le monde parle de changement climatique. Eh bien, nous étions les premiers, nos ancêtres ont été les premiers à connaître les valeurs de l'eau, de la mer, de l'océan, de la forêt. Nous étions les premiers à conserver la nature, à ne manger que selon les saisons, à laisser le poisson grandir. Nos ancêtres savaient cela, nous n'avons pas attendu les écologistes actuels. Donc la culture, c'est tout ça. Elle est à la fois politique, elle est à la fois sociale, elle est économique, elle est culturelle. Et la politique, c'est le soubassement. Et je suis essentiellement lié à la politique et je me revendique avant tout en tant qu'homme de culture. La culture, c'est la liberté. Pourriez-vous nous faire un petit aparté là de Papa Wemba? Oh, de Papa Wemba! Au Congo, tout le monde est chanteur. Yanga bolingo, kakaso, kyomoninga, simananga, obalukie. Et ça n'a rien coûté ça, langa bien. Mon pépé yango, nazela, kie. Luka moto, yako kani nangai. Oyonamoni, yapo nangai te. Emele yango, yami bali. Oyonamoni, na yo yete, oh, maman. Ça, c'est yete, vraiment. Est-ce qu'il y a des artistes, musiciens qui ont influencé votre manière de comprendre la vie et comment est-ce qu'ils ont pu influencer cette manière-là? Depuis des temps immémoriaux, nous avons, chez nous au Congo, nous avons, partout en Afrique, nous avons plusieurs types de musique. Nous avons la musique sacrée. La musique sacrée, c'est la musique des ancêtres, des initiés. Quand on allait amener des jeunes gens pour qu'ils deviennent adultes, déjà à 15 ans, 14 ans, à leur vie d'adultes, des responsables, il y avait des chansons rituelles qui étaient utilisées pour la circoncision. Une femme qui voit ses menstrues pour la première fois, il y avait des chansons sacrées, la musique sacrée qui ne se chante qu'en ce moment-là. Nous avions la musique, aujourd'hui la musique religieuse, qui est différente de la musique sacrée. C'est une mission de toutes nos religions que nous avons connues ici. On priait, on chantait pour nos dieux à l'époque. Il y avait bien entendu la musique chrétienne qui est arrivée. Alors, la prostate est une maladie, est une maladie, mais dans deux minutes, on a un point essentiel. La prostate est une maladie, oyo et une papa. La prostate est beaucoup plus pour la papa, oyo il y a un rapport sexuel. Mais la prostate est une maladie, oyo y a un de 40 ans, na komata oyo il y a une difficulté à souba. C'est-à-dire, papa, ce qui a moni déjà. Ozako suba masuba ezako bimana vitesse te ozako suba masuba ezo bimana denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo si la te mais masuba pe ezo bimate yeba ke no papa ozo developer ezo prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza deja na kati ya prostate wana traitement ngo ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana
traitement sans opération y a prostate quel que soit aux autres souba masouba za ko kende sous na vitesse t ata 1 mètre comme ka lissou t aux autres souba posa ko souba zo silaté yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien au bengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc to lobi prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana e bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o eza ko bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Ça tient. Et puis il y a musique militaire, tout ce qui est fanfare. On était à Numabo, on a vu. Puis bien entendu, nous avons la musique moderne, la musique que nous appelons chez nous la musique typique. Fait par tous les autres, on appelle musique mondaine, parce que c'est fait par musique profane. C'est un peu pour avoir une terminologie avec un regard chrétien. Mais moi, en tant que laïc, je dis que c'est la musique congolaise moderne. Et tout ce type de musique ont fait que les artistes qui ont porté ces musiques-là ont eu de l'influence sur la jeunesse. Papa Wemba, Koffi Olomide, Jimmy Piana, Grand Calé, Lutumba Simaro, Franco ont beaucoup influencé l'Afrique par leur musique. À Brazzaville, nous avons Jean-Serge Sou, le Bantou de la capitale, et puis d'autres jeunes qui viennent actuellement, les Roga Roga, pourquoi pas, qui influencent aujourd'hui la musique. Ici en Côte d'Ivoire, le Magic System, ce sont des gens qui portent chacun un style de musique, un type de musique, et qui fait son temps, son époque. Comment voyez-vous l'avenir de la musique congolaise? Nous avons une des meilleures musiques du monde. La musique congolaise, je dis bien, mais ceux qui font cette musique-là, il n'y a plus assez de gens qui soient à même de porter, qui soient des vrais ambassadeurs. Il nous reste aujourd'hui quelques artistes, mais qui ne portent plus tellement la rumba comme elle devait être portée. Mais qui sont plus de jeunes gens qui sont dans la foulée de ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des grands artistes, nous avons Maître Gims et Fally Ipupa, mais qui entrent plutôt dans l'universel, et c'est bien de le faire, mais... Aujourd'hui, des jeunes qui portent la rumba congolaise sur le plan international, non. Peut-être qu'il y aura une dame parmi les dames qui viennent après. Il y a un peu Karmapa qui vient aussi avec la pure rumba congolaise. Ferregola, pourquoi pas. Ouais. Pour vous, est-ce que la musique congolaise propage de bonnes mœurs? Oui ou non, comme toute musique d'ailleurs. Oui et non, les artistes sont libres. C'est au moins la musique, c'est... Au Congo, c'est l'art le plus populaire, avec un impact réel sur le comportement des jeunes. Chaque artiste compose comme il lit la société. Nous les appelons les lecteurs, il lit la société, il essaie de décrire ce qu'il voit. Et de ce point de vue, une œuvre d'esprit, un peu comme les œuvres d'art qui sont derrière moi, je ne peux pas apporter un jugement de valeur sur ça. C'est l'artiste qui exprime par rapport à ce qu'il ressent au moment où il peint, au moment où il sculpte, au moment où il compose, au moment où il chante. C'est l'artiste qui est responsable de son produit. Et nous venons simplement pour l'interpréter, essayer de vouloir comprendre ce qu'il voulait dire par tel geste ou par tel mot, par telle partie de la danse, par telle chorégraphie. Ça, c'est nous, mais c'est à l'artiste de justifier son œuvre dans le détail. Merci. Merci beaucoup, c'est moi. Merci. Okay. On espère que nous aurons beaucoup d'autres. Il y aura beaucoup de choses. Ah, ici c'est 4. Aldo, c'est